Yo la piraterie, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une compilation de bugs parce qu'on sait bien que Bounty Rush et les bugs c'est une grande histoire d'amour depuis longtemps. Hein. On en a un paquet, que ce soit des bugs de capture de trésors, de téléportation, d'animation de compétences qu'on voit pas, enfin bref. Et il y en a tout un tas. Et n'hésite pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires les pires bugs que t'as vus, les pires trucs en ce moment. J'ai l'impression qu'on a passé un petit palier dans le bug. Mais justement, on va avoir un petit peu des trucs plus what the fuck les uns que les autres. Allez, c'est parti, je te laisse profiter de ça. On va commencer en douceur avec évidemment les Kamusari en Wi-Fi. C'est la nouvelle génération de compétences. Et les compétences que tu peux même pas voir, les animations. Et c'est le pire, c'est que c'est de moins en moins rare. Enfin, ça arrive pas seulement avec Roger. Mais voilà, et là, ça sublime la bêtise, si on peut dire. Déjà que la compétence est ultra compliquée de base à esquiver, avec ça c'est encore pire. Bon là je fais une erreur de base, j'envoie ma compétence trop tôt, mais je mange masse bug et voilà, regarde. Bon bah a priori j'étais encore là-bas, hein. La skip. Et a priori ce barbe noire lui était là-bas aussi. Alors là en termes de téléportation, mais ça commence à devenir, mais j'ai des trucs, mais c'est juste incroyable. Je me dis, t'as eu, genre, on n'est pas dans la même boucle temporelle, tu vois. Il y a plusieurs espaces-temps dans différentes games. Là c'est pareil. On a un champ, je me dis voilà, petit problème réglé, on va aller s'occuper du mythe maintenant. Et finalement, je dis, what? Qu'est-ce qui vient de se passer? Ok, d'accord, je suis mort. Bon, pourquoi pas. On a un truc aussi, ça va, c'est pas trop récurrent, heureusement. Eh bien, c'est tout simplement quand tu lances une partie et t'es en attente d'autres joueurs, tout simplement. Et sauf que bah t'attends 2 minutes, 3 minutes, enfin bref, c'est une folie, t'as envie de péter un câble, des fois ça part au bout de 2 minutes, des fois ça ne part pas, voilà, il te déconnecte, il te dit c'est fini. Et puis j'ai eu ce genre de bug aujourd'hui aussi. Voilà. Sur l'event. Alors à mon avis, c'était propre à l'event, mais bon, bah voilà. Hein. Une fois que je suis mort, déjà il y avait des petits bugs chelous avant. Mais une fois que je suis mort, bon bah voilà, il se passait plus rien et tu pouvais plus rien faire, le compteur était bloqué. Donc c'est le genre de bug qu'on se passerait volontiers. Et celui-là, franchement, il est épique. Tous les mouvements, enfin tous les dashs, les mini-dashs, que ce soit les petits déplacements, que ce soit sur longue portée, esquive, les avancements des compétences, regarde, pareil, tout ce qui concerne le déplacement, on va dire, sauf le déplacement de base, bouger le joystick, et bah c'était pas possible. Genre le truc, what the fuck, je pouvais pas avancer et esquiver, enfin bref. Quand t'envoies une attaque, je fais du surplace. Genre, regarde, c'est abusé. Franchement. Donc là, j'étais vraiment dans une situation désespérée. Ça m'est arrivé une seule fois. Et j'ai quand même réussi à taper avec la compétence sans bouger, ce qui est quand même un exploit. Et deuxième petit exploit, bon bah je vais réussir à prendre le chaos sur le kid comme ça. Bon, malheureusement, on va pas survivre, mais c'est pas grave. Et voilà, là, voilà, ça aussi, ça arrive trop souvent, ça donne envie de péter un câble. Tu téléportes, mais bon, bah. Elle est passée où la téléportation? Fausse téléportation, ça arrive aussi de temps en temps avec les projections. Donc tu vas projeter et ça va partir, tu vas le voir partir au bout de la map, puis tu vas le revoir revenir. Ça aussi, sacré bug. Ah non, c'était pas un bug en fait. C'était juste un one shot à l'auto. Ah, c'est juste abusé. Franchement, il fait kiffer le Lofi rien que pour ça. Il est capable de faire des dingueries. Donc là, voilà, ça c'était avant le petit rework qu'on a eu justement sur le dash. Oh, quoique non, c'était après justement. Donc toujours. Il est plus rapide, mais ça n'empêche pas de se manger des gros dégâts de compétences comme ça. J'ai eu un Roger, mais regarde, ça aussi, il me semble j'en ai vu deux dans le délire, mais celui-là il était abusé, regarde. Abusé, c'est abusé, il est plus boosté sous stéroïde. Là, je me demande si, je sais pas si c'est un cheater ou si c'est. Je sais pas, peut-être qu'il a un espace-temps accéléré. Et le mien est juste normal, tu vois, du coup ça ne passe pas. J'ai quand même réussi à lui résister un peu, hein. Mais bon, c'est croco, hein. Bon, on va quand même résister encore un peu. Mais malheureusement, regarde, tu vas voir, c'est trop abusé, t'as pas le temps de réagir, tu peux rien faire. T'es one shot KO. Et on va finir avec une petite game maintenant qui est juste ridicule aussi. On pourrait presque croire à des cheaters aussi sur cette game. Parce qu'il y a des choses, enfin c'est juste abusé. Bah après des fois il y a tellement de soucis de latence, c'est juste probablement des bugs. Mais là c'était particulier dans son genre et c'est la première fois que ça m'arrive. Et ça m'a rendu mais absolument parano. Hein. C'était une game mais tu te dis est-ce qu'on va réussir à la gagner? Enfin bref, j'ai tapé des barres, bah, les ennemis se téléportaient, ils disparaissaient. Tu vas voir, on va avoir un petit Luffy Onigashima, il va disparaître. Pareil, le pire c'était avec le Usopp, c'est un Usopp, c'est le roi des rats. Déjà il court partout mais si en plus il commence à TP et se disparaître.
ça commence à devenir n'importe quoi. Donc voilà, on est sur un petit starter classique avec un Magellan. On va restaurer des petits trésors. Donc on va pas prendre trop de risques à se jeter déjà dans un premier temps. Donc là, jusque là, pour l'instant, en plus, le pire, c'est que dans cette game, il y a eu zéro. Enfin, soi-disant, la co était bonne, quoi. Hein, soi-disant. Donc on n'a pas eu de gros bugs jusque là pour l'instant. Voilà, le premier, t'as vu, le Luffy. Le Luffy a littéralement disparu, puis réapparu. Non mais, et, puis redisparu. Non mais c'est quoi, il est passé où? Et puis finalement, il est mort, non? Je sais même pas où il est. Enfin, c'est quoi ces conneries? Du coup, je fais, mais what happened? Pourquoi? Et le Oden aussi, il va y avoir des soucis avec lui. Il me semble, le petit Oden, non, là, ça va aller. Bon, après, là, c'est clair, hein, de toute façon, le duel Oden-Magellan, hein, t'as envie de mourir tellement c'est lent, le match-up. Pareil, ce petit Usopp, voilà, c'est celui-là qui va me poser problème. Donc là, voilà, il est en train de nous mettre des autos, il a tué l'eau. Donc, je vais envoyer la petite P2. Ensuite, il va... Voilà, regarde, t'as eu? Hop, il a disparu derrière, c'est juste abusé, téléportation en 2 secondes. Donc heureusement que j'ai été attentif à la minimap, parce que je me suis dit, je regarde très régulièrement la minimap et je le voyais devant et d'un coup je vois un point rouge derrière. Je fais, c'est quoi ce délire? Et heureusement, vraiment la minimap ça fait tout, regarde ta minimap, je te jure, regarde ta minimap en permanence, même quand tu penses qu'il n'y a pas besoin. Donc là encore il va disparaître, il y a plein de petits bugs et tout, donc là vraiment on est... Des fois, vraiment, j'ai l'impression que ça dépend des parties. Je sais pas comment c'est fait à ce niveau-là. Il y a des parties, elles vont être beaucoup plus laggy que d'autres. Là, vraiment, on était sur une game où il y avait plein de lags. On va encore avoir quelques petites choses. Donc là, on va repartir avec le petit Luffy. C'est un petit duo sympa à jouer, Luffy Magellan. L'un comme l'autre en starter. Même si Magellan est plus intéressant, mais voilà, hein, jouer des starters en défenseur, maintenant, ça devient de plus en plus compliqué. Ça dépend de l'algorithme qui a décidé de te mettre le matchmaking. Parce que des fois, c'est, voilà, le Oden qui disparaît encore. Là, franchement, j'ai tapé une grosse parano. J'ai fait, il est où? Je me suis dit, il va réapparaître dans mon dos. Donc, j'ai voulu rester derrière parce que je me suis dit, ça un coup, il apparaissait en base. Franchement, je sais même pas ce qui s'est passé, comment il est mort. Là, regarde, un Usopp qui disparaît, qui réapparaît. Non, mais cette game, elle m'a rendu mais parano. J'étais vraiment mais pas serein du tout. Je me suis dit, est-ce qu'on va la réussir à la gagner celle-là? Et puis, on va finalement, voilà, là, il bouge pas pour récupérer le petit KO. Puis ça va faire le taf, mais voilà, c'est des games. Et c'est vrai que c'est vraiment pas facile de jouer dans ces conditions en ce moment. Et j'ai check les profils quand même, parce que je me suis dit, limite, c'était presque. Ça avait presque des allures de shit, hein, honnêtement. Hein, parce que des fois, il y avait des petites choses. C'est bizarre, même si, voilà, on sait tous qu'il y a mille et un bugs. Mais voilà, en tout cas, bon, ben, on prie, on espère que ça s'arrange d'ici peu. J'espère que la vidéo t'aura plu. Je sais que les bugs, c'est vraiment quelque chose qui est plus qu'agaçant. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire ton taux d'agacement sur une échelle de 1 à 10 vis-à-vis de ces bugs-là. De tous les bugs qu'on a en général sur le jeu, hein, depuis un moment. C'est vrai que là, personnellement, je suis passé sur un bon set parce que ça commence vraiment à être mais gonflant d'avoir autant de bugs aussi fréquemment. Avant, on avait des périodes où il y avait des bugs. C'est vrai qu'il y a des périodes qui sont plus compliquées que d'autres. Donc, bien entendu, on espère que ça va s'arranger. En attendant, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Et je te dis à très vite, la piraterie. Diable Jumbo.